Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 15 années, celui des sorties de guerre, des retours de combattants au XXe siècle, et partir d'un document tout à fait étonnant. Un drapeau britannique fabriqué en 1918 pour saluer le retour d'un régiment après la Grande Guerre, comme le montre l'emblème en son centre. Ces deux mots, avec ces deux mots, « Welcome home », il exprime d'abord la joie d'être de nouveau ensemble. « Welcome home » signifie « Vous êtes chez vous, on ne vous a pas oublié ». Ce sont des mots de civil, destinés à rassurer les combattants sur la force du lien qui a uni le home front au front pendant la guerre et sur la relation qui continuera à unir civils et vétérans après le conflit. Mais ce que ce drapeau ne parvient pas à dire est, à mon sens, au moins aussi intéressant que ce qu'il dit. À mon sens, la première chose que ce drapeau ne parvient pas à exprimer, c'est la peur des vétérans, inquiets de ce que le monde a changé en leur absence. Les anciens combattants savent mieux que d'autres que la guerre n'est pas une simple parenthèse, mais une césure forte dans la vie des sociétés. Pour eux, il ne s'agit pas simplement de retrouver une place, mais de retrouver leur place dans la société d'après-guerre, ce qui n'est naturellement pas la même chose. Par ailleurs, les deux mots « welcome home » offrent l'illusion que l'expérience de guerre est une expérience unique. Ces mots donc simplifient considérablement l'expérience de guerre. Ces mots s'adressent de la même manière à ceux qui ont vu le feu et à ceux qui n'ont pas combattu, à ceux qui ont été blessés et à ceux qui reviennent apparemment indemnes. Il s'adresse de la même manière aux prisonniers de guerre et aux vétérans des champs de bataille. « Welcome home », enfin, n'exprime explicitement aucune gratitude aux anciens combattants, alors qu'on sait combien la reconnaissance du front intérieur est nécessaire à la reconstruction de leurs identités. En d'autres termes, ce drapeau est si banal qu'il pourrait être utilisé pour d'autres conflits et dans d'autres contextes. C'est un terme qu'on utilise, « welcome home », de plus en plus, par exemple, pour des retours d'équipes de sport victorieuses. Il donne le sentiment qu'une sortie de guerre ne pose problème ni pour les vétérans, ni pour la société qui les accueille. Et si j'ai choisi d'ouvrir cette conférence avec ce document, c'est justement parce que les historiens de la guerre, il faut bien reconnaître, ont adopté un point de vue similaire pendant des années. Il a fallu du temps pour que les historiens considèrent la sortie de guerre comme un problème historique à part entière. Je voudrais donc dire un mot sur cette notion de sortie de guerre qui a été introduite par les historiens depuis une vingtaine d'années et qui est une première indication, me semble-t-il, de la manière dont le champ de recherche a évolué. Pendant très longtemps, comme vous le savez sans doute, les historiens spécialistes de la guerre ont utilisé le terme d'après-guerre, qui est en fait un terme inventé par les historiens d'histoire diplomatique, terme qui suggère une coupure nette, une césure nette entre le temps de la guerre et le temps de la paix. Et ce sont les historiens de l'histoire culturelle et sociale de la guerre qui ont mis désormais l'accent sur le temps long de la transition entre guerre et paix, temps long à la fois du point de vue de la reconstruction et de la pacification des sociétés, donc globalement, et aussi du point de vue des retours individuels de combattants. En d'autres termes, il a fallu en quelque sorte, en introduisant ce terme de sortie de guerre, déplier un temps qui avait été replié sur lui-même pour donner toute son ampleur et toute sa complexité à la transition de la guerre vers la paix. Cette complexité étant l'héritière de travaux sur le traumatisme de guerre, mais aussi sur la mémoire collective à laquelle Henri Rousseau et Jay Winter ont consacré de nombreux travaux. Le premier, en fait, à avoir montré que le retour de guerre ne va pas de soi, et c'était un précurseur vraiment à l'époque, c'est cet homme, Karl Abraham, qui était un psychiatre allemand, ami de Sigmund Freud, et qui a publié un article en 1919 intitulé « Contribution à la psychanalyse des névroses de guerre », dans lequel il montre que tous les vétérans ont généralement le sentiment d'une perte énorme, la perte de leurs amis disparus, bien sûr, la perte d'une santé détruite, la perte d'années perdues, et selon lui, aucune réparation, même symbolique, venant de la société, ne saura combler ce manque. Donc c'est peut-être le premier à avoir compris ce qui se joue au moment du retour de guerre, mais il est à peu près le seul à l'époque à le comprendre. Il aura fallu presque 60 ans pour que des historiens commencent à vraiment s'intéresser à la complexité des sorties de guerre.
Alors, ce que je voudrais vous proposer en fait aujourd'hui, ce sont deux choses. C'est d'aborder deux questions. La première porte sur l'évolution des démobilisations combattantes au XXe siècle. En d'autres termes, la question de savoir comment l'évolution spectaculaire de la guerre au XXe siècle a transformé l'expérience individuelle et collective des retours de guerre et son impact sur les sociétés. Donc la première question est vraiment de replacer la question des sorties de guerre dans le temps long de l'histoire de la guerre au XXe siècle. Et la deuxième question que je voudrais aborder, qui est sans doute plus complexe, est de savoir comment on peut essayer de faire une histoire comparée des retours de guerre. En d'autres termes, une histoire qui ne serait pas liée à un conflit particulier ou à une expérience nationale particulière, mais ce qui pose la question en fait, de l'existence ou non d'invariants d'un combat à l'autre, d'une démobilisation combattante à l'autre, et ce qui pose aussi la question, à mon avis, centrale, et qui est celle de la génération d'historiens à venir, de rééquilibrer les perspectives. Il me semble qu'à l'heure actuelle, on écrit beaucoup trop souvent l'histoire des retours de guerre du point de vue occidental, et que la vraie question qui se posera dans les années à venir est justement d'associer d'autres approches et d'avoir vraiment une histoire globale des retours de guerre. Voilà, donc partons de la première question qui est celle des mutations des retours de guerre au XXe siècle. Et je voudrais retenir cinq changements majeurs dans l'évolution au XXe siècle. Donc le premier changement, c'est un changement d'échelle. Si on part de l'évaluation communément admise de 70 millions d'hommes mobilisés en 1914-1918, sur lesquels environ 10 millions ont été tués pendant la guerre, on se rend compte immédiatement de l'importance que prennent les démobilisations culturelles au début du XXe siècle, puisque ce sont près de 60 millions d'hommes qui rentrent chez eux, et parmi ces 60 millions d'hommes, 20 millions qui sont blessés, parfois grièvement, parfois plusieurs fois, et donc la prise en charge des combattants, notamment des anciens combattants blessés, devient un enjeu majeur à l'échelle mondiale. Les évaluations sont encore plus spectaculaires, comme vous le savez, pour la Deuxième Guerre mondiale. Près de 100 millions de combattants cette fois, donc 85 millions sont démobilisés, et parmi ces 85 millions, 25 millions de blessés. Donc c'est un changement d'échelle considérable auquel on assiste au XXe siècle. Avec cette massification des retours de guerre ont deux conséquences. La première, c'est que les démobilisations elles-mêmes sont une expérience de masse, une expérience collective de masse qui concerne toutes les classes d'âge mobilisables, mais aussi que les phénomènes de démobilisation scandent désormais la succession des générations. Comme vous le savez, la notion même sociologiquement de génération naît dans les années 1920 et est associée à l'expérience de la Première Guerre mondiale. On parle de génération du feu, et cette génération du feu, c'est celle justement des survivants de la Première Guerre mondiale. Donc c'est, voilà, on ne peut plus considérer la démobilisation comme un temps vide, suspendu entre la guerre et la paix, mais c'est au contraire un moment central dans lequel les sociétés se recomposent au sortir de la guerre. Alors, la deuxième mutation majeure au XXe siècle, c'est le fait aussi que les conflits deviennent des conflits idéologiques. Et pour le dire autrement, on passe d'une forme traditionnelle de conflictualité où la participation à la guerre est associée à l'allégeance à un souverain ou à des conquêtes territoriales, à des guerres où l'identité collective, l'identité groupe sociale est en jeu, avec une dialectique opposant une figure héroïsée des combattants, de nos combattants, à une figure diabolisée de l'ennemi, qu'il s'agisse d'un ennemi idéologique, par exemple sur le front de l'Est européen pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou d'un ennemi racial dans le cadre de la guerre du Pacifique. Alors, la conséquence de cette idéologisation des conflits, elle est double. La première, c'est qu'il devient de plus en plus difficile d'établir une distinction nette entre le temps de la guerre et le temps de la paix, parce que dans des conflits idéologiques marqués par la haine de l'ennemi, la guerre semble se prolonger bien au-delà de la fin des hostilités, et ce qui introduit une nouvelle notion, qui est la notion inventée par l'historien John Horne, qui est la notion de démobilisation culturelle. En d'autres termes, avec les conflits idéologiques, il ne s'agit pas simplement de signer un traité de paix, mais il s'agit vraiment de recréer, et parfois ça prend des décennies, de recréer des liens sociaux, des liens culturels, avec un ancien ennemi qui a été diabolisé pendant tout le conflit. Et la deuxième conséquence de ces conflits idéologiques, qui est à mon avis une conséquence sur laquelle les historiens de la guerre ont encore beaucoup à travailler, c'est que la signification
peut-être même l'enjeu profond de la victoire et de la défaite change radicalement. Il me semble qu'après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la notion même de victoire, la notion même de défaite change. Il n'y a plus de victoire que de victoire totale, marquée par une volonté de revanche, et il n'y a plus de défaite que de défaite totale également, vécue avec un profond sentiment d'humiliation qui change complètement, me semble-t-il, le contexte dans lequel s'opèrent les démobilisations militaires. Troisième mutation au XXe siècle, c'est la naissance de ce qu'on a appelé le « home front » avec la Première Guerre mondiale, et une notion qui, effectivement, va se développer pendant les deux conflits de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, une notion dont l'historien du Japon, Sher Garen, a bien montré qu'elle avait une dimension transnationale. Or, et ça me semble être un point très important qui est aussi souvent négligé par les historiens, notamment les historiens de la guerre, avec cette naissance du home front, ce ne sont plus simplement les militaires qu'on démobilise. Ce sont aussi les civils hein, et parmi eux les femmes. Et ça me semble très intéressant qu'au XXe siècle, cette notion de démobilisation, qui est fondamentalement dans l'histoire des sociétés une notion qui est associée au combat, à l'expérience du feu, à l'expérience de la violence du champ de bataille, est aussi appropriée par les civils et s'utilise aussi pour les civils, les femmes naturellement, mais aussi les classes d'âge les plus jeunes ou plus âgées. On peut parler, à mon avis, à juste titre, d'une démobilisation des enfants après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et on peut aussi parler d'une démobilisation des personnes âgées dans la mesure où elles ont été aussi partie prenante de la guerre totale pendant les deux conflits mondiaux. La quatrième mutation, avant-dernière mutation que je voulais vous présenter, c'est celle de l'émergence d'une nouvelle notion au XXe siècle, qui est celle des droits, du droit des anciens combattants, du droit des vétérans. Et pour le dire rapidement, on passe d'un monde où, jusqu'au début du XXe siècle, l'avenir des vétérans, leur santé physique, la possibilité pour eux de réintégrer la société civile, dépend largement de l'assistance familiale. La possibilité d'être aidé par des parents, par des frères et sœurs, sinon les vétérans sont condamnés à la pauvreté et parfois à la mort, ou de la charité publique. Et le grand tournant de la Première Guerre mondiale, c'est cette idée majeure, fondamentale, que les anciens combattants ont des droits en raison et à proportion des sacrifices qu'ils ont consentis. Et cette notion même de sacrifice pour la nation et de droits qui sont des droits reconnus par l'État, cette reconnaissance est, à mon avis, un élément central apporté par la première Guerre mondiale. En d'autres termes, la Première Guerre mondiale réaffirme le contrat passé entre l'État et ses citoyens soldats et qui contribue aussi au développement de l'État-providence au XXe siècle. J'ajoute que cette notion de droit des combattants, elle est inséparable d'une autre notion qui émerge aussi au XXe siècle, qui est celle des associations d'anciens combattants. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui naît à peu près au moment de la Première Guerre mondiale. L'association d'anciens combattants qui occupe de plus en plus une place centrale dans l'espace social et dans la vie politique nationale. Et c'est vraiment un changement, là aussi, majeur du XXe siècle. Enfin, dernière mutation du XXe siècle, c'est tout simplement le fait que la composition sociale des groupes combattants a beaucoup changé. On assiste depuis quelques années à la féminisation des armées, donc à des démobilisations de femmes, ce qui est effectivement quelque chose qui était assez rare jusque dans les années 60-70. La professionnalisation des armées, avec le repli des armées de conscription, la place croissante des mercenaires, et aussi la place croissante des enfants soldats, et c'est une vraie question que l'on pose à l'heure actuelle, savoir comment on démobilise les enfants soldats et quelle est la spécificité des démobilisations de jeunes combattants comme les enfants soldats. Voilà, donc après, à partir de ces cinq grandes évolutions, massification, idéologisation, implication croissante des civils, droits des vétérans et mutation sociologique des armées, je voudrais aborder le deuxième temps de la conférence qui porte sur la possibilité d'écrire une histoire globale de la guerre et peut-être les limites justement d'une histoire globale. C'est, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, une réflexion que j'ai menée notamment avec cet ouvrage collectif auquel mon,
collègue ami Kenna Imaru a participé avec un très bel article sur Hiroshima, donc une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours, et dans lequel c'est ce qui sait la possibilité d'une histoire globale de la guerre au 20e siècle. Donc je voudrais vous proposer d'examiner cette question de l'histoire globale de trois manières, trois thématiques. La première, c'est la question de l'identité combattante. La deuxième, c'est la question de l'économie morale de la reconnaissance, en d'autres termes, la dette de la société à l'égard des vétérans. Et enfin, la question de la normalisation. On parle toujours de normalisation, on dit que les vétérans se normalisent en rentrant dans la société. Et je voudrais un peu questionner cette question de la normalisation au sortir d'un conflit. Voilà, donc la première question, c'est la question de l'identité. Et mon avis, de mon point de vue, la démobilisation combattante, c'est toujours, quelles que soient les sociétés, la question d'une déconstruction et d'une reconstruction d'une identité. Et je voudrais m'arrêter c'est une question très complexe, je n'ai pas le temps de la développer beaucoup, mais je voudrais m'arrêter au premier moment, à la première étape de la déconstruction d'identité, qui est un moment tout simple, qui est le moment d'adieu entre les camarades de combat. En d'autres termes, le moment où le soldat rompt avec la solidarité du groupe combattant et le moment où il manifeste il prend ses distances avec le groupe combattant. À mon avis, la question de la déconstruction, elle est particulièrement intéressante dans le cadre des guerres de position, où des combattants se sont battus pendant parfois des mois entiers sur un même territoire, et où ils prennent des distances, c'est-à-dire physiquement, avec l'espace dans lequel ils ont combattu. Et je voudrais notamment partir de ce magnifique texte de Erich Maria Remarque, roman peut-être pas le plus connu d'ailleurs d'Erich Maria Remarque, intitulé Der Weg zurück, donc « Après », paru en 1931, où il décrit justement le moment du départ, le moment où les soldats allemands, en l'occurrence, quittent les tranchées de la Grande Guerre. Et voilà ce qu'il écrit. « Beaucoup des nôtres sont couchés là, mais jusqu'ici, nous ne l'avions jamais aussi bien réalisé. Nous étions restés tous ensemble, les uns près des autres, nous dans nos tranchées, eux dans leurs fosses, séparés par quelques poignées de terre. Ils nous avaient un peu devancés, un peu seulement, puisque chaque journée voyait diminuer notre nombre et augmenter le leur. Il arrivait souvent que nous ne sachions pas si nous étions vivants ou déjà des leurs. Il arrivait même aussi que les obus les fissent revenir vers nous. C'étaient des os délabrés, projetés en l'air, des lambeaux d'uniformes, des têtes humides, décomposées, déjà terreuses, qui, arrachées par le bombardement à leurs abris effondrés, revenaient encore une fois dans la bataille. Nous n'y trouvions rien d'effrayant. Nous étions trop près d'eux pour cela. Mais maintenant, voilà le point, mais maintenant, nous allons rentrer dans la vie, tandis que eux, les morts, resteront ici. » Et à mon avis, cette séparation forcée entre les vivants, entre eux, mais aussi entre les vivants et les morts, est un élément central de ce processus de déconstruction d'une identité. Alors, c'est un moment vraiment important, ce moment du détachement avec le front, avec les camarades, mais aussi avec les morts. C'est un moment qu'a très bien décrit, par exemple, le théologien français Pierre Teilhard de Chardin, qui a utilisé pendant la guerre elle-même un terme qui est un terme très provocateur, enfin, qui en apparence est provocateur. Il a parlé de la nostalgie du front, ce qui noue à nos yeux de civils du XXIe siècle, et un terme insupportable quand on parle de la Première Guerre mondiale, qui est une guerre extrêmement violente. Mais ce que voulait dire Teilhard de Chardin à travers cette notion de nostalgie du front, c'est vraiment cette idée que les combattants doivent accepter le détachement avec une expérience exceptionnelle qu'ils doivent maintenant laisser derrière eux. Donc, séparation qui est douloureuse, et ce sont souvent les camarades eux-mêmes qui sont chargés de faciliter le passage à la vie civile. Je voudrais vous donner un témoignage qui est un témoignage d'un autre conflit, qui est celui de la guerre d'Afghanistan. C'est un témoignage recueilli par la journaliste russe Svetlana Aksiyevich, qui est, comme vous le savez sans doute, prix Nobel de littérature, qui a écrit en 1990 un livre magnifique qui s'intitule « Les cercueils de zinc », dans lequel elle décrit notamment le retour des Afghansi, des combattants russes en Afghanistan, leur retour chez eux. Et voilà ce qu'elle écrit à propos du moment du retour, du moment du départ. « Le départ d'un libérable, écrit-elle, c'est un vrai roman. Il faut se cotiser et lui acheter un attaché-case, une serviette de toilette,
un foulard pour sa mère, un cadeau pour sa petite amie. Il faut enfin lui faire une tenue d'apparat. On lui procure une ceinture blanche, sans quoi ce ne serait pas un para. On lui fabrique des aiguillettes. Ensuite, il faut lui astiquer sa plaque. C'est une vraie œuvre d'art. D'abord, on la passe au papier de verre numéro 2, puis avec le numéro 1, puis on la frotte avec du feutre et avec une pâte abrasive. Pendant une semaine, on fait tremper sa vieille tenue dans de l'huile de graissage pour lui rendre sa couleur vert foncé. L'opération suivante consiste à la laver à l'essence. Ensuite, on l'aère pendant un mois. Vous voyez l'anticipation du retour. On l'aère pendant un mois. C'est prêt. Les libérables s'en vont et les anciens deviennent libérables. Donc, ce qui me semble fascinant, et c'est un peu le symbole de ce petit passage, de ce court passage des cercueils de zinc, c'est comment le soin accordé au corps, notamment le soin accordé à l'uniforme, le nettoyage des uniformes défrichis par la guerre, est essentiel dans la déconstruction de l'identité combattante. Et on pourrait s'interroger sur ce qui me semble être une notion essentielle quand on veut faire une histoire globale des retours de guerre, sur les rituels de purification que chaque société forge pour les sorties de guerre. Et à mon avis, il y a effectivement un travail là, global très passionnant à faire sur la manière dont chaque société invente les rituels de purification. Voilà, donc déconstruction d'une identité, mais aussi reconstruction d'une nouvelle identité, une identité de civil, ce qui pose à mon avis une autre question qui est négligée par beaucoup d'historiens, qui est la question du rythme de la démobilisation. À mon avis, on a tendance à l'heure actuelle, depuis peut-être une trentaine d'années, à la fois à banaliser les retours de guerre et en même temps à rapatrier très vite, peut-être trop vite d'ailleurs, les combattants vers leur pays d'origine. Et ce dont se plaignent beaucoup de soldats, par exemple les combattants en Irak ou en Afghanistan, c'est le fait que, pour beaucoup d'entre eux, ils sont revenus aux États-Unis en vol direct, parfois dans des vols commerciaux, jusqu'à des bases militaires américaines, sans que des sas de décompensation psychique soient réellement respectés. Qu'il y ait des moments où ces anciens combattants puissent se reconstruire progressivement une nouvelle identité. Et on est passé, en d'autres termes, du temps de l'époque où on revenait de guerre sur un bateau, dans le temps long du retour de guerre, qui laissait suffisamment de temps pour que les anciens combattants se reconstruisent à des retours individuels, par avion, qui rendent la reconstruction beaucoup plus compliquée. Voilà, donc c'est à mon avis, Tim O'Brien, qui, comme vous le savez, a combattu au Vietnam, qui est un des grands écrivains américains de cette période du Vietnam, a écrit notamment ce texte, If I Die in a Combat Zone, publié en 1969, dans lequel il décrit ce moment où il se rend compte que le rythme du retour ne correspond pas à son expérience de guerre. Et voilà ce qu'il écrit, et je trouve que ce passage est absolument fascinant, parce qu'il résume très bien, je crois, ce tournant. L'atmosphère qui règne dans l'avion est aseptisée et artificielle. L'hôtesse de l'air sourit avec insouciance et ennui. Elle ne comprend pas. C'est énervant parce que vous sentez bien qu'elle ne veut pas comprendre. On atterrit au Japon et on fait le plein de fuel. Ensuite, vol sans escale jusqu'à Seattle. Quelle sorte de guerre est-ce là qui commence et se termine de la même manière avec une jolie fille, des sièges rembourrés et des magazines? Vous arrivez dans une base militaire à l'extérieur de Seattle. L'armée vous donne un dîner. « Welcome home, returnees », dit un panneau affiché dans le mess de manière permanente. « Returnees » est un mot du vocabulaire militaire que personne d'autre n'emploierait. C'est intéressant toujours quand des mots surgissent comme ça, des mots nouveaux. Vous vous inscrivez pour le dîner, les uns après les autres, vous dites le Pledge of Allegiance et vous quittez l'armée en taxi. Et à mon avis, cette dernière phrase, vous quittez l'armée en taxi, quand on connaît la violence de ce qu'a été l'expérience de guerre au Vietnam, révèle très bien cette sorte de décalage entre le rythme du retour, la réalité du retour, et ce qu'a été celle de l'expérience de guerre. Voilà, donc ça c'est à mon avis la première manière d'aborder une histoire globale des retours de guerre, c'est d'essayer de montrer comment une identité ou des identités se déconstruisent et se reconstruisent. À mon avis, la deuxième manière de l'aborder, c'est la question de ce que j'ai appelé l'économie morale de la reconnaissance,
C'est une notion que j'avais utilisée dans mon livre La Victoire endeuillée, que vous avez mentionné tout à l'heure. Et par cette notion d'économie morale de la reconnaissance, je désignais un ensemble de rituels, de signes, des médailles, des fêtes, des objets commémoratifs finement hiérarchisés, grâce auxquels le vétéran avait le sentiment de voir reconnu, au moins en partie, son expérience de guerre. Donc, à mon avis, cette notion d'économie morale est vraiment centrale pour comprendre l'enjeu des retours de guerre, notamment au XXe siècle. Alors, je vais vous donner trois exemples à partir de documents de cette économie morale. Le premier est tout simple, c'est l'importance des médailles, qui est très largement sous-estimée, à mon avis, même peut-être de plus en plus, qui sont des signes centraux de la reconnaissance d'une société. Et on voit bien ici, c'est un moment très émouvant, avec des femmes, notamment peut-être des mères, qui non seulement regardent les médailles, mais les touchent, qui est une sorte de presque de sacralisation de la médaille, qui devient en quelque sorte le sens même de l'engagement de ces deux soldats. C'est, à mon avis, une expression importante de l'économie morale de la reconnaissance. La deuxième, qui est souvent peu connue, enfin sous-estimée, c'est l'importance des parades militaires. J'aime beaucoup, naturellement, cette photographie, parce qu'elle me rappelle un peu le premier livre sur lequel je vais travailler, La Victoire endeuillée. C'est une parade militaire qui a lieu le 10 décembre 1918, donc à peu près un mois après la fin de après l'armistice, lorsque les troupes françaises défilent dans la ville de Colbar. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la reconquête de l'Alsace-Lorraine va être accompagné d'une multiplication des parades. Il y a deux parades, par exemple, à Colmar. Pourquoi faire parader deux fois des combattants dans la même ville? C'est vraiment une manière, en quelque sorte, de reprendre possession de l'espace urbain, mais c'est aussi une manière de recréer un lien entre les civils et les combattants. La première chose que je veux dire deux choses. La première, c'est qu'on sous-estime l'importance et la difficulté pour des soldats qui ont combattu pendant 4 ans de faire ce genre d'exercice. Apprendre à marcher au pas, à présenter les armes, à attendre dans le froid et l'humidité, on est au mois de décembre 1918, pour des hommes qui ont passé des années, des mois, des années dans les tranchées, c'est une souffrance physique réelle. En d'autres termes, il faut accepter de transformer des corps endurcis par la guerre en corps dociles qui acceptent de s'entraîner comme ça pendant des heures et des heures pour réussir une parade militaire, ce qui est vraisemblablement insupportable pour des combattants de la Première Guerre mondiale. Mais malgré tout, malgré cette souffrance, toutes les lettres que j'ai pu lire montrent l'importance centrale pour ces combattants de défiler dans les villes d'Alsace-Lorraine. Le deuxième élément important dans cette photographie, c'est naturellement cet homme sur son cheval, sur la gauche. Cet homme sur son cheval sur la gauche, c'est le général de Castelnau, qui est revêtu, et c'est le sens, qui est revêtu de l'uniforme de 1870. Et qui a revêtu son uniforme de 1870 pour montrer que c'était le défilé de la revanche sur l'Allemagne qui réparait l'injustice faite par l'Allemagne à la France avec l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine au moment du traité de Francfort. Et alors, bon, globalement, du point de vue de l'économie morale de la reconnaissance, il faut le dire, la fin de la Première Guerre mondiale a été assez ratée, même pour les Français. En tout cas, l'État n'a pas toujours su manifester sa reconnaissance. Les soldats sont revenus souvent avec retard. On leur a donné des costumes civils qui étaient souvent des anciens uniformes qu'on avait plus ou moins redécoupés. Il fallait fournir des centaines de milliers de costumes civils aux combattants et on les a assez maltraités. Le seul objet que beaucoup de combattants ont gardé chez eux jusqu'à la fin de leur jour, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un casque qui a été donné à tous les anciens combattants français de la Première Guerre mondiale. C'est le casque Adrian, qui est, je pense, le symbole même, naturellement, des combattants français, mais aussi de la protection. C'est un casque qui a sauvé la vie de dizaines de milliers de personnes. Ce qui est intéressant, c'est cette espèce de plaque qui est accrochée au casque, sur laquelle se trouve une mention que vous ne pouvez peut-être pas lire de là où vous êtes, mais c'est la mention « combattant de la Grande Guerre 1914-1918 ». En d'autres termes, on a donné avec ce casque le symbole même de la participation de ces centaines de milliers d'hommes à la Première Guerre mondiale. Et il y a quasiment un caractère
performatif dans le don de ce casque, puisqu'il transforme les combattants en anciens combattants. Alors, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse naturellement dans cette perspective d'une histoire globale des sorties de guerre, c'est comment des modèles d'économie morale de la reconnaissance circulent parfois d'une société vers l'autre. Je vous donne un exemple que vous connaissez sans doute bien mieux que moi, en fait, qui est le retour de l'armée japonaise au lendemain de la guerre russo-japonaise. Un exemple que donne Naoko Shimazu dans son très grand livre sur la société en guerre pendant la guerre russo-japonaise. Elle explique quoi ? Elle explique qu'au moment du retour des Japonais, l'armée décide d'organiser des défilés somptueux et notamment de construire, d'édifier des arcs de triomphe. Des arcs de triomphe sur le modèle classique européen pour signifier, aux yeux de l'armée japonaise, l'importance de l'accession du Japon au rang des grandes puissances européennes. Or voilà la réaction dans la presse japonaise, notamment la réaction au sujet de la couronne de laurier que les Japonais ont décidé de dessiner sur les arcs de triomphe. Et voilà ce que dit la presse japonaise. Nous sommes une grande puissance indépendante qui célèbre sa victoire, mais c'est une impression de soumission qui domine lorsque nous utilisons un type de plante occidentale qui ne correspond pas à notre caractère national. Et c'est très intéressant de voir que, dans ce cas précis, il y a une forme de résistance à une manifestation de l'économie morale de la reconnaissance qui est considérée comme une influence occidentale qui n'est pas vraiment une expression japonaise de la reconnaissance aux soldats. Voilà. Donc, et pour finir, je voudrais vous proposer une troisième piste sur l'étude globale des retours de guerre, qui est la question de la normalisation. Et notamment, je pense, vous indiquez combien cette représentation des combattants, avec ce roman que vous connaissez peut-être, Capitaine Conan, qui est le roman d'un ancien combattant français après la Première Guerre mondiale, combattant brutalisé, il devient alcoolique, il devient violent, il est l'exemple même de la brutalisation, et ce film très connu avec Robert De Niro, Taxi Driver, qui représente l'histoire d'un vétéran du Vietnam, Travis Bickle. Combien cette image pathologique du retour de guerre a finalement simplifié considérablement la réalité des retours de guerre et comment elle a, je crois, rendu le travail des historiens plus compliqué. Parce que notre travail, nous, comme historiens de la guerre et de l'après-guerre, c'est pas tellement de s'interroger sur la violence qui persiste après la Première mondiale et la manière dont les combattants ont été brutalisés, mais plutôt de s'interroger sur un document comme celui-là, qui est finalement une forme de retour à la banalité, qui me semble beaucoup plus intéressante. Un retour à la banalité, en d'autres termes, ce que je veux dire ici, c'est qu'on a tendance à surévaluer la dimension pathologique du retour, et qu'une histoire du bonheur, une histoire de la banalité, est finalement beaucoup plus difficile à écrire qu'une histoire de la souffrance. Et j'allais dire, pour utiliser les termes de mon directeur de thèse, Alain Corbin, que vous connaissez sans doute, qui est un grand historien de l'histoire des sensibilités. Pour lui, un des grands livres qu'il a écrit récemment, c'est l'histoire du silence. Et dans le fond, voilà, c'est cette histoire-là que j'aimerais arriver à faire, qui est l'histoire du silence du retour, l'histoire de la banalité, du retour, et peut-être d'ailleurs de l'ennui, parce que ça peut être extrêmement violent, finalement, cette banalité du retour à la vie ordinaire. Mais c'est finalement un enjeu beaucoup plus fort, je trouve, pour les historiens de la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette broderie ? D'abord, c'est intéressant parce que c'est un homme qui était prisonnier de guerre, qui a fait une broderie, qui était plutôt féminine. C'est un retour au foyer anticipé par ce prisonnier de guerre. Alors, ce qu'on voit, c'est des choses tout à fait passionnantes. D'abord, il se présente comme un homme en exil, l'exilé, qui est, comme l'a dit très bien montré Annette Becker dans ses travaux, la manière dont beaucoup de prisonniers de guerre se présentent, comme des gens qui sont exilés de leur pays en guerre. On se rend compte aussi de la durée interminable de la guerre et de la captivité. C'est un homme qui a été fait prisonnier en 1914, 14, 15, 16, 17, 18, la durée de la guerre. Et ce qui est très étonnant, c'est la manière dont il se représente. Il se représente dans son uniforme de 1914. Et pour lui, le retour de guerre, c'est un retour à l'avant-guerre, un retour à l'avant-guerre avec un monde totalement idéalisé.
où la maison est fleurie. Il est accueilli par sa femme, par sa fille qui, on le voit ici, vraisemblablement ne peut pas reconnaître son père. Enfin voilà, elle est très petite. Et il y a une forme d'idéalisation qui, à mon avis, très très intéressante parce qu'elle pose cette question justement de l'après. De l'après et du retour à la trivialité de la vie quotidienne. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe quand qu'est-ce que signifie normalisation quand cet homme retrouve son travail, ou ne retrouve pas son travail, l'espèce de saison idéalisée est remplacée par l'hiver, et quand il y a un retour à la difficulté de la vie quotidienne. Alors, je voudrais, pour terminer, poser en fait cette question du retour à l'intime pour les historiens. La première question, à mon avis, elle est simple, c'est de savoir comment on écrit une histoire du retour à l'intime pour des sociétés où les techniques d'introspection et la pratique de l'écriture de soi n'existent pas, où la notion même d'intimité ne correspond pas à notre perception, notre définition de l'intimité, où le concept de vie privée, le concept d'intimité est particulièrement difficile à définir. Donc ça me semble être vraiment la première grande difficulté. Quand on est historien, quand on veut faire une histoire globale des retours de guerre, voilà, on risque de laisser passer une bonne partie des expériences de guerre lorsqu'on s'intéresse à des sociétés qui n'ont pas ce même rapport à l'individualité et à l'intimité. Et la deuxième question, c'est la question du décalage, de la question de la difficulté de la normalisation, une question qui est très bien abordée par Aragon dans ce qui est peut-être un des plus beaux livres sur le retour de guerre. Comme vous le savez, c'est un livre que Aragon a publié en 1944, qui est un livre sur le retour de la Première Guerre mondiale, et dans lequel il montre très bien la difficulté du retour et le sentiment d'être diminué, disproportionné. Ce que je voudrais dire simplement en un mot pour finir, c'est que au lendemain de la Première Guerre mondiale, les anciens combattants refusaient toute normalisation, de leur expérience de guerre. Et l'idée même que des vétérans devaient se normaliser était pour eux insupportable parce que la normalisation, c'était fondamentalement trahir les morts et trahir leur expérience de guerre. Je voudrais donner le dernier mot de cette conférence à l'historien Jules Isaac, que vous connaissez peut-être parce qu'il est l'auteur de sans doute des manuels d'histoire les plus connus, publiés en France, série de manuels très célèbres pour l'enseignement secondaire, publié avec l'un de ses amis, historien Albert Mallet. C'est une histoire qui était finalement assez, assez belle parce que Albert Mallet, qui était âgé, s'est engagé volontaire, porté volontaire en 1914. Il a été tué pendant la Première Guerre mondiale. Il a été tué dans l'offensive d'Artois en septembre 1915. Donc Jules Isaac, son ami, son meilleur ami, lui a survécu. Lui-même a été blessé d'ailleurs à Verdun. Mais il a survécu à la Première Guerre mondiale. Et de retour de guerre en 1919, il publie dans une revue littéraire un petit texte qui s'intitule « Nous, les revenants ». Et ce texte est... D'abord, le titre est très intéressant, parce que le titre est ambigu. Nous, les revenants, c'est à la fois nous qui revenons, ceux qui reviennent, mais comme vous le savez, en français, revenant, ça veut dire aussi les fantômes. Et voilà ce qu'il écrit, et qui, d'une certaine manière, résonne encore comme une sorte de défi pour les historiens qui travaillent sur la sortie de guerre. Voilà ce qu'il écrit au sujet du retour. « Sinon, de l'au-delà, nous revenons de très loin, de ces confins redoutables, de la vie et de la mort, où peu d'hommes avant nous avaient séjourné. Vous croyez nous connaître, bonnes gens, s'adresse naturellement aux civils, détrompez-vous. Vous ne nous connaissez plus, vous ne nous connaîtrez plus jamais. Aussi profond est l'abîme qui sépare les morts des vivants, aussi profond celui qui nous sépare de vous. » Merci. Sur la question de l'anomie, c'est-à-dire en fait l'expérience de la violence, si je comprends bien, de l'absence de normes. C'est une question qui a beaucoup divisé les historiens, qui est en fait la question de la brutalisation, qui est un terme qui a été inventé par un historien d'origine allemande qui a vécu aux États-Unis, qui s'appelle George Mosse,
qui suggère que les anciens combattants de la Première mondiale ont fait l'expérience de la mort de masse, et que cette expérience de la mort de masse a en quelque sorte donné moins de prix à la vie humaine dans l'entre-deux-guerres. C'est une question qui était beaucoup discutée parce qu'elle s'applique de manière variée selon les sociétés. Certaines sociétés ont réussi plus ou moins à contrôler la violence, y compris la violence dans le cadre civil. La France fait partie de ces pays-là. D'autres pays ont vécu dans la peur de la brutalisation. C'est le cas, par exemple, en Grande-Bretagne, où la peur de la brutalisation est très forte, y compris de la brutalisation dans les colonies. Et les cas les plus intéressants, finalement, qui correspondent le mieux à la thèse de Georges Mossé, c'est naturellement l'Allemagne et aussi la Russie bolchevique, à laquelle il s'était d'ailleurs assez peu intéressé dans son travail. En d'autres termes, cette question de l'anomie ne peut pas être considérée comme une sorte de phénomène de masse indistinct selon les sociétés, mais il faut vraiment faire des études presque nationales pour comprendre les mécanismes de transfert de la violence du champ de bataille vers la vie d'après-guerre. La question des déserteurs, elle se pose effectivement pendant la Première Guerre mondiale. Des déserteurs ou bien de ceux qui font des mutilations volontaires, qui par exemple se tirent une balle dans le pied ou essaient de d'échapper au combat comme ça. C'est pas tellement une question de retour de guerre, mais ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que les études des historiens sur ces questions de justice militaire ont montré que la plupart des exécutions avaient eu lieu au début de la Première Guerre mondiale dans l'armée française, au moment des grandes batailles de la bataille des frontières à l'été 1914, qui est un moment d'abord où les pertes sont très importantes, où l'armée allemande avance en Belgique et en France du Nord, où la désorganisation est quasiment complète, où l'armée française recule vers Paris, et où là, on a un assez grand nombre d'exécutions sommaires qui sont décidées. Après la fin 1914, début 1915, la justice militaire s'organise mieux. Et la deuxième crise importante, c'est naturellement celle la crise des mutineries de 1917, qui entraîne aussi un certain nombre d'exécutions. Mais moins importante que celle de 1914. Il y a, à mon avis, une spécificité quand même de cette émergence, la psychanalyse, naturellement sa proximité de Freud, c'est aussi l'expérience de défaite. Les travaux des psychiatres, si ce terme n'a pas beaucoup de sens, psychiatre militaire à l'époque, c'est pas vraiment une notion qui existe, en France, portent plutôt autour de la notion de shell shock de la prise en charge des traumatismes de guerre, assez peu sur cette question de la reconnaissance. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça articule de manière, je pense, très forte la question effectivement l'impossibilité de réparer ce vide, ce manque, on parle Karl Abraham, et de l'expérience collective de la défaite. Voilà, ça c'est un point important. Bien évidemment, la politique est un élément central. La politique, elle est aussi dans les cérémonies, dans l'économie morale de la reconnaissance, mais l'engagement politique, bien sûr, l'engagement pacifiste d'abord, qui est un élément fondamental de l'entre-deux-guerres, et vous avez tout à fait raison de parler de Barbus, mais aussi un autre thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour mon deuxième livre, qui est la question de l'engagement pour le droit international. Je pense notamment à René Cassin, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, grand blessé de guerre, qui a joué un rôle très important pour la reconnaissance des droits des vétérans, dont je vous ai parlé, mais aussi, c'est là où on rejoint la question politique dont vous parlez à très juste titre, pour la création de conférences internationales entre anciens combattants qui visent à
à recréer des liens entre anciens ennemis. Et la politique est de manière évidente, parce que c'est une activité collective, parce qu'elle envisage la question de l'avenir, d'un projet collectif pour l'avenir, c'est une question essentielle pour se désarmer ou refuser de se désarmer, parce que finalement, la politique, ça peut être aussi une manière, naturellement, de refuser la démobilisation. Bien évidemment, la question se pose très différemment pour les sociétés coloniales. Les enjeux sont différents. La question d'une certaine manière, je pense que les trois enjeux que j'ai indiqués, c'est-à-dire la question des identités, la question de la reconnaissance et la question de la normalisation, sont posées de manière encore plus aiguë dans des sociétés dans lesquelles deux choses, dans lesquelles d'abord des anciens combattants ont combattu pour des puissances coloniales et donc ont cette espèce de difficulté à comprendre le sens du combat qu'ils ont mené, et aussi quelque chose qui est souvent négligé, qui est la difficulté de retrouver une place dans des sociétés d'après-guerre, coloniales d'après-guerre, où les hiérarchies sociales sont décalées. C'est-à-dire que le fait d'avoir, c'est le cas, par exemple, dans un certain nombre de pays africains, le retour de la guerre, c'est la Première Guerre mondiale, c'est accompagné de revendications qui sont aussi des revendications d'une place nouvelle dans la société dont étaient issus les anciens combattants, et avec les phénomènes de résistance d'une société traditionnelle qui ne voyait pas du tout pourquoi des personnes qui avaient combattu à l'étranger, enfin loin de leur pays, devaient avoir une place différente dans la société. Donc voilà, il y a de manière évidente des enjeux qui sont spécifiques, mais je continue à penser que ces trois grandes orientations permettent, je pense, de montrer en profondeur les enjeux dans les sociétés coloniales. L'autre point que j'avais abordé un petit peu rapidement, c'est la question aussi de la question du témoignage, le fait de voilà comment travailler sur des retours de guerre dans des sociétés où il s'agit essentiellement de témoignages oraux, dans lesquels on n'a pas des constructions monumentales ou pour honorer les anciens combattants, et donc où les traces même du retour de guerre sont difficiles à appréhender, difficiles à étudier. C'est une question absolument centrale. La question, à mon avis, la question des drones va bien au-delà de la question de la technologie de la guerre. C'est une question absolument fondamentale dans l'avenir de la guerre, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle pose fondamentalement une question passionnante sur laquelle j'espère un jour travailler, qui est la question simplement de ce qu'on appelle rapidement l'éthique de la guerre. On fonde globalement l'éthique de la guerre sur une question d'équilibre, de proportion. Une puissance qui peut infliger la violence sans avoir le risque d'une réciprocité, au moins la perspective ou le risque d'une réciprocité, c'est une pratique qui fondamentalement, qui n'est pas une pratique éthique de la guerre, fondamentalement immorale, et donc cette question des drones pose la question de l'éthique de la guerre. La deuxième question, et vous la posez très, très justement, c'est la question des traumatismes de guerre. Ce que montrent désormais les spécialistes des traumatismes de guerre, c'est qu'on assiste effectivement au développement authentique des traumatismes de guerre pour des personnes qui sont des pilotes de drones, qui sont aux États-Unis, loin des champs de bataille, et qui partent le matin pour aller travailler, qui s'installent dans un bureau et qui tuent à des milliers de kilomètres de distance des victimes civiles dont ils n'ont qui ne connaîtront pas et qui ne connaîtront jamais, qui ne verront jamais en face à face, et qui développent malgré tout des traumatismes psychologiques importants. Et ça, pour tout dire, on a un peu de la peine à l'heure actuelle à distinguer exactement ce dont il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une forme de culpabilité, effectivement, dont j'ai déjà un peu parlé. Est-ce qu'il s'agit finalement aussi, j'en ai parlé au moment d'une réponse à une des questions, de la violence qu'inflige la banalisation de l'acte de tuer. Et je pense fondamentalement que c'est l'une des grandes souffrances actuelles, c'est cette forme de banalisation
qui va avec la guerre. La guerre est devenue un acte qui ne répond plus à des décisions politiques. On n'entre plus en guerre avec une négociation dans un parlement, avec des gens qui discutent de la possibilité ou non d'entrer en guerre. On ne sort plus de la guerre avec des traités de paix. Et donc, cette espèce de flou, j'allais dire presque de fluidité du passage de la paix à la guerre, de la guerre à la paix, est fondamentalement, inflige fondamentalement une violence extrême sur les sociétés, qui ne sont plus en mesure de contrôler ni d'assimiler l'expérience de guerre. Et c'est un peu ce que vous dites à partir de l'expérience des pilotes de drones. Je vais juste ajouter un point, peut-être, pour compléter très rapidement ma réponse. L'autre violence, mais qui est une violence beaucoup plus large que la question des drones, et qui, je crois, très particulière au XXe siècle, c'est le fait que la violence de guerre s'accompagne non pas simplement d'un anonymat des victimes, enfin si, d'un anonymat au sens fort des victimes, c'est-à-dire que les victimes de la guerre perdent leur identité, leur nom. Et l'une des grandes violences de la guerre au XXe siècle, c'est le fait qu'on ne se souvient plus, on n'a plus la possibilité de se souvenir individuellement et par le nom des victimes de la guerre. C'est le cas notamment des drones. Il y a une organisation non gouvernementale britannique qui a entrepris d'essayer, par des travaux d'enquête, de retrouver les noms des victimes, le nombre d'abord, et les noms des victimes des drones, pour essayer de réhumaniser, en quelque sorte, les victimes des drones. C'est une question vraiment, moi, qui me passionne, cette question du nom. On la voit aussi, alors, dans un contexte qui n'est pas un contexte totalement guerrier, mais avec les réfugiés, par exemple. On sait combien la Méditerranée est devenue une sorte de cimetière de réfugiés. Et là aussi, il y a des organisations non gouvernementales qui essaient de faire des recherches pour redonner des noms, simplement ça, redonner des noms aux victimes, qui, à mon avis, est un des enjeux éthiques essentiels de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.